et du renfort qui a entraîné l'hospitalisation d'un Bon, nombre de plusieurs milliers d'enfants dans ce pays, y compris en réanimation. Et là, je suis donc, arrivé tout le temps. J'aimerais bien que ça s'accélère un peu et arriver vite à des résultats, parce que on a des là, c'est difficultés la qui dernière sont semaine. accrues par l'épuisement des soignants, par 15 000 soignants suspendus, sans compter les Je suis soignants en train qui ont pris d'écouter des retraités ou qui sont deux élus en risque. centristes interviewés sur Sud Radio sur le passage vaccinal, sur le passage au pass vaccinal. Donc là, il a été relu, étudié donc par le Conseil constitutionnel. Il devrait passer en application lundi, qui arrive là. Donc, comprenez-vous le passage au pass vaccinal? Il y a eu un sondage et en majorité, bah, les gens ne comprennent pas. Parce que bon, ils entendent que voilà, Omicron, le variant, un truc. Donc là, ils parlaient du personnel hospitalier qui était mal réparti. Bon. Moi, j'ai partagé Pascal Tréfinguy sur. Donc voilà, lui, il a une vision. Une approche du truc complètement globale. Moi, simplement, ce que je vois, c'est que là, j'ai deux clients potentiels. Pour guérir de la calvitie. En fait, j'ai pas mal de clients hein, qui sont intéressés. Je pense que hein, ce ne sera pas des clients d'ailleurs, hein, c'est des êtres humains. Donc voilà, je suis en train de guérir vraiment, quoi. Là, ça arrive vraiment. Donc, je vais essayer de me battre là tout le week-end. Je vais faire un peu la fête là, avec ma nouvelle platine pour fêter mon départ et puis continuer de bien me frotter la tête. Essayer de commencer à préparer un peu mes affaires quand même. Et puis là, je vais faire une promenade avec mon chien parce qu'il fait super beau. Il n'y a pas de vent. Un temps magnifique. Et il fait. Ouais. Par contre, il fait froid. Hein. Il fait 10 degrés. Mon PC. Non, mais ça va. Voilà. Donc je vous montre là, voilà le 10, hein, je prends beaucoup de vidéos parce que je sens que c'est la fin. Donc comme je veux faire ça un peu en direct, un peu comme là, j'ai partagé un film que j'ai regardé ce matin, moi, Michel Gagnant, milliardaire, donc c'est une comédie un peu, comment je vais appeler ça, une caricature hein, d'une histoire d'un homme d'affaires qui s'enrichit, avec sa chute. Bon, il y aurait moyen de faire une longue vidéo en analysant tout le discours, tout ce qui est tenu dans cette comédie, en plus sur un ton humoristique, pour exposer un peu mes recherches État, capitalisme, espace-temps. Voilà, enfin, espace-temps, c'est la calvitie qui est en train de guérir. Donc, c'est pas rien. Allez, on y croit, on va y arriver.